Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, reçois Paul Favor. Donc, petite vidéo tutoriel, c'est une instrumentale qui est assez lourde. J'ai kiffé sur YouTube et je me suis dit pourquoi ne pas refaire cette instrumentale là. Donc ensemble on va faire un léger tutoriel, je vais te montrer un peu comment j'ai refait cette instrumentale. Il y a un piano qui joue. Il est à 93, voilà. Donc 93, je trouve qu'ils ont mis le BPM à 93. Il s'agit du 93 Empire, quoi. La mélodie principale, c'est un piano. J'ai d'abord essayé avec le FL Kiss, mais après je me suis rendu compte que ça sonnait un peu trop basique malgré les différentes configurations que j'ai fait. Donc du coup, j'ai pris un piano de Purity. Des notes exactement comme ceci et ensuite j'ai mis des accords là. Donc avec le même instrument que tu as utilisé pour faire la mélodie principale, tu prends le même instrument pour faire les accords. Voilà. Voilà, donc tu vas déposer les notes des accords E4, F4, dièse. Voilà, ensuite tu peux ajouter déjà des hi-hats, donc hi-hat basique. Donc ce snare il est disponible dans un pack que j'ouvre gratuitement dans la description. C'est un drum kit qui contient les snares et plein d'autres effets qui permettent de pouvoir rapidement effectuer les instrumentales trap music. Donc tu prends le snare. Une fois que tu as mis le snare, tu peux aussi ajouter des percussions comme un tabla. Voilà, donc le tabla, tu le prends, tu le mets dans le mixeur et la particularité que tu vas faire ici, pour qu'il puisse sonner avec une résonance, il va falloir que tu ajoutes de la reverb. C'est pourquoi, une fois que tu as inséré le tabla ici, tu t'envoies sur le slot du tabla et ensuite tu mets la reverb. Voilà, tu mets la reverb, tu la configures exactement comme ça. Et ensuite, tu vas ajouter du delay bank. Le delay bank, en fait, c'est de l'écho. Ça permet de pouvoir avoir une résonance et avoir une sorte de répétition dans l'esprit de celui qui écoute, en fait. Voilà. Et l'écho, tu le mets à 4 ici dans le time. Donc, ça, c'est ce qui concerne l'écho. Maintenant, tu mets un paramétrique. Tu te lèves légèrement les zones aiguës du tabla. Maintenant, tu peux ajouter un kick
Donc ce kit, il est également disponible dans le drum kit en question. Cymbal. Voilà, donc maintenant il y a un instrument très intéressant que tu dois ajouter pour pouvoir annoncer qu'il y a des 808 qui arrivent. Donc c'est une basse, on va dire une soft bass si tu veux. Tu vois, ça te permet d'avoir une ambiance assez particulière. Après avoir mis la basse en question, maintenant tu vas ajouter des 808. Donc ici, comme toujours, c'est les parties qui ont été slider pour pouvoir avoir une autre version de sonorité. Donc ça te permet de pouvoir faire jouer, ça te permet de pouvoir jouer là avec la sonorité de la 808. Parfois varier avec la sonorité, donc du coup c'est pourquoi il y a une partie, donc tout simplement parce que on est descendu d'un octave ici. Donc quand tu mélanges tout ensemble, ça donne ça. Ok, donc si on arrive à la fin de la vidéo tutoriel, n'hésite pas à partager au maximum, laisse un commentaire. Voilà, donc n'oublie pas que dans la description, tu as la possibilité de pouvoir me contacter directement via WhatsApp. Également, je t'offre gratuitement une série de vidéos qui va te permettre de pouvoir FL Studio 20, que tu sois débutant, amateur ou tout simplement un passionné de la musique, te perfectionner dans les instrumental trap partant de rien du tout. Voilà, donc si c'est, on arrive à la fin de la vidéo. Ciao, ciao. Pole on the beat.